une gold. Oz. C'est un très bon perso apparemment. Pour être team tireur, que je vais garder du coup. Encore un personnage que j'ai pas, c'est super cool. Yo tout le monde, c'est Pinkisto, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau Sugofest. Le Sugofest, le dernier des Sugofest de l'année. Alors, je suis un peu déçu, j'ai pas réussi à avoir 50 de gemmes pour faire un multipool. Du coup ça sera 45 gemmes. Alors, on va faire que des singles du coup comme j'ai dit, et c'est parti, on va commencer tout de suite. Allez. De toute façon, en soi, comment dire, j'ai rien vraiment à perdre. Disons que on voit ce qu'on a. Une gold. Oh là 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 là. Oh, ça tombe. Voilà, juste, voilà, c'est bon, c'est fini. Il me manquait juste Jim B pour mon équipe cogneur et je l'ai enfin. Merci. Oh là là. Hop, oh, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça dégage, ça dégage. Hop. Jinbei. C'est con parce que j'ai utilisé j'ai utilisé tous mes trucs pour pouvoir monter de flamingo là. Et là on va mettre Koala. Allez où cette pute. Allez où. Merde, j'ai oublié. Ah merde, je peux pas la mettre du coup. Elle coûte trop cher je crois. Elle coûte combien? Elle coûte 29. Et là j'ai. Ouais, ça va être chaud. Je pourrais pas la mettre maintenant. Mais de toute façon ça tombe bien parce que Jinbei est pas assez HL là pour le moment, donc je vais pouvoir le monter, mais ça c'est cool. Bon bah on continue. Je suis déjà super content. Super content. Allez. Est-ce que le Marco ou le Gar va tomber maintenant? Allez. Une gold. Oh là là. Encore un personnage cogneur. Bon, c'est un très bon personnage cogneur SR, mais j'en ai déjà un, j'ai hack, c'est pas mal, mais pourquoi pas. Une gold. Oz. C'est un très bon perso apparemment. Pour être team tireur, que je vais garder du coup. Encore un personnage que j'ai pas, c'est super cool. Ah, une silver. Oh, Miss Valentine, ça c'est pourri. Pourri. Allez, là on a dépassé la moitié. Hop, allez. Une gold. Ah, je l'ai pas lui. Lui non plus, je l'ai pas. C'est Bastille. Un personnage ambitieux, ça peut être pas mal pour la team ambitieux que je vais peut-être monter avec Dofi. Parce que là, à l'heure actuelle, ça c'est ma team STR, on s'en fout. En team ambitieux, qu'est-ce que j'ai réellement là? Bah, du coup, j'ai mon Dofi qui est là. J'ai mon César Clown qui est là. J'ai. Où est-ce qu'elle est là? Elle. En vert, j'ai déjà mis César. En rouge, bah du coup j'ai lui. Et il me manque. Un personnage jaune. Je sais pas encore qui je vais prendre. Je crois pas que je l'ai. Ah si, j'ai. L'autre. Enfin, j'ai le mec. Merde. Comment il s'appelle? Lui là, il est là. Et lui qui peut être pas mal éventuellement au début, mais il y a mieux. Voilà. Alors, on continue. Encore 4 invocations. Enfin, 4 invocations, 4 recrutements. Putain, s'il y a une 6 étoiles qui tombe, je suis refait. Et. Ah, c'est une silver. Ah, la 6 étoiles là, franchement. J'aurais peut-être pas dû l'annoncer. Ah, un chopper, pourquoi pas. Peut-être essayer d'avoir le dernier chopper que j'ai pas. Allez, donne-moi du bon, une gold, un que j'ai pas. Kuma, très très bon capitaine pour une team tireur, ça tombe bien, en plus j'ai eu Oz. Mais bon, c'est aussi un STR, je crois. Oz, je sais plus si c'est un STR ou pas, mais ben, c'est un très très bon capitaine pour une team tireur. Allez. Ah, une silver, ah non.
Appel, j'étais déjà, et c'est la dernière invocation qu'on va faire maintenant. On y croit ou on n'y croit pas? Allez. Allez, je regarde à moitié. Ah, c'est une gold. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah après Bell, on a Kabal. Shaka. Kabal. Shaka. D'accord. Déjà évolué en plus, apparemment. Très bien. Ah oui, de toute façon, je suis con. Il y a beaucoup plus de chances d'avoir des STR maintenant. Enfin, avec cet événement. Puis j'ai eu de la chance du coup d'avoir Jinbei. Parce que la dernière fois, pour l'événement, on avait plus de chances d'avoir Jinbei, justement. Bah là, non. Bref, que dire sur ces invocations du coup? Date d'obtention. Alors, on a eu quoi? On a eu Jinbei Death. Putain, il manquait un personnage bleu. Je voulais soit Hideo, soit je voulais Hideo, soit je voulais Jinbei. Et Jinbei, il a l'air plus intéressant personnellement. Même si Hideo est quand même vachement cool. Mais 2,5 pour une Team Corner, c'est pas mal. Même si ma Koala, elle est ouf. Elle est là, elle fait 2,25 je crois, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a eu Lao Ji, très bon personnage cogneur et ambitieux. Que c'est encore un personnage ambitieux qui peut être intéressant à mettre. Pour une team ambitieux éventuellement. C'est aussi un cogneur, c'est un très bon cogneur. Je pourrais éventuellement changer si je le monte par la suite pour ma team cogneur ou pour une autre team, pourquoi pas. Très bon perso en tous les cas. Oz Junior qui est un personnage qui est bien pour les tireurs. Enfin pour une team tireur je crois. Miss Valentine on va la jeter, on s'en fout. Ensuite on a Bastille qui je sais pas vraiment ce qui vaut réellement, si c'est un bon sabre, si pour utiliser pour certaines teams ou pas. En tous les cas je l'avais pas, c'est cool. Chopper bah pff, on parle même pas. Kuma le tyran. Qui est juste trop stylé. Alors en fait ce qui m'étonne un peu c'est... Ah mais non mais je suis con, c'est pas ce Kuma là qui fait... Qui est bien pour une team tireur je crois. C'est pour une team force, à moins qu'il faut l'évoluer, je sais pas, est-ce qu'on peut l'évoluer? Oui on peut l'évoluer. Éventuellement c'est peut-être après son évolution qui passe avec un Captain Ability pour tireur, je sais pas. Bref. Et ensuite bah, on a eu Pell, que j'avais déjà, et Shaka. C'est plus fort que toi, voilà. Bah écoutez, pas trop dégueulasse finalement, toujours si peu de chance sur les multipools, c'est-à-dire j'ai vraiment pas fait un seul multipool avec 0 silver quoi. Mais bon, j'ai pas envie de me plaindre, la dernière fois j'ai eu Dofi, là j'ai enfin mon Jinbei que je voulais. Il manque plus que le petit gar pour le Marco qui va peut-être tomber avec les combats qui vont arriver. Bon bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vraiment vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à voir la chaîne des copains qui sont dans la description. Je vous fais des gros bisous et ciao tout le monde. Ou plutôt, bonjour tout le monde.